je peux pas supporter. Hein. Hey. Je peux pas supporter ça là, Soleiman Nia. Je peux pas supporter. Dites-moi, Bakan, Yako. J'ai dit, dites-moi, Bakan, Yako. Tout le monde sait ici que moi, je suis sage-femme. La dernière fois, j'étais dans la salle d'accouchement. J'ai dit, il y a une dame qui est rentrée enceinte. Faut la voir depuis la porte. Docteur, docteur, docteur. J'ai dit, Yekofikla Nia. Ça, c'est quel nouveau modèle d'accouchement, ça? Elle dit, docteur, ils arrivent. J'ai dit, madame, hein, qui arrive? Ils sont où? Je les vois. Elle dit, docteur, ils veulent sortir. J'ai dit, madame, attrape-les. Pardon, à cause de Dieu, c'est un jumeau? Elle dit, non. J'ai dit, mais pourquoi tu mets S à il et puis tu me dis, ils arrivent? Tu es guéri. Elle dit, docteur, c'est pas le plus important. J'ai dit, madame, ici même, c'est ça le plus important. Guérir, c'est pas être ni. Guérir, c'est pas être ni. Faut pas, je vais me tromper, je vais mettre mon doigt là-bas, l'enfant, il va me mordre. Madame, tu es guéri? Elle dit, docteur, toi-même, faut voir. J'ai dit, madame, attention. Position, ça là, c'est pas pour ici. À cause de Dieu, s'il te plaît, n'y a couché. Elle dit, docteur, j'ai dit, toi-même, faut voir. Les frères, en tout cas, j'ai vu. J'ai vu le bébé qui était dans une position suspendue logiquement en l'air. Non, le bébé, il était en l'air. Mais moi, en tant qu'une sage-femme expérimentée, n'y a, que fais-je? Moi aussi, je plongea dans une position suspendue logiquement en l'air. Non, j'étais comme ça. En l'air, ça c'est la position pour accueillir les nouveau-nés en l'air. J'ai fait 2 heures en l'air. Mon frère, pourquoi tu dis tchier? Moi j'ai dit j'ai fait 2 heures en l'air, toi tu dis tu étais en l'air avec moi. Donc ceci étant, je diminue, j'ai fait 1 heure en l'air. Donc c'est là, j'attrape la tête du bébé. Et dès que ma main l'attrape net dans mon visage, tu entends pio. Les femmes là. Elle ne se purige pas avant de venir accoucher. Elle ne se purige pas, elle ne se purige pas. Je comprends pourquoi elle dit, ils veulent sortir derrière le bébé. Et puis il y a Binzoué, Zouelenga. Dans mon visage. Mais moi, en tant qu'une sage-femme expérimentée, ça ne m'a pas découragé. Hein. J'ai pris ce qui est sur mon visage. J'ai mis ça sur le bébé en le badigeonnant. C'est une technique d'accouchement, madame. Donc j'ai mis sur le bébé, j'ai pris le bébé, j'ai donné à la mère. Elle attrape son enfant, elle fait ça, elle fait comme ça. Docteur, bébé là, son odeur est bizarre, hein? J'ai dit, madame, c'est odeur de placenta. En tout cas, ça va, faut le laver, ça va passer. Non, sérieux, les gens disent que non, nous les sages-femmes, c'est bêtise, on est quoi, quoi. Mais ça dépend, en fait. L'année passée, j'ai fait accoucher Hapuchou. J'ai fait accoucher Skinny. Cette année, il y a un nouveau modèle qui est sorti. C'est pas Hapuchou, c'est pas Skinny, c'est au milieu. On les appelle les Skin Two. Moi-même, ça m'a surpris. Au fait, c'est les femmes nées. Là. Mon frère, faire accoucher nées, ce n'est pas facile. On m'appelle, on me dit, la dame est dans le lit. J'arrive, je regarde dans le lit, nia, je ne la vois pas. Je fouille dans les draps, je ne la vois pas. Bon, moi, fatigué de la chercher, où me mets-je? Nia, je me suis assis dans le lit. 5 minutes après, j'entends quelqu'un qui parle dans mon ventre. Docteur! Ici, venez-moi. J'ai dit, madame, tu es qui? D'où viens-tu? Elle dit, c'est moi, je suis venu accoucher là. J'ai dit, madame, tu es rentré par où? Parce que c'est là la question. Si tu arrives dans mon ventre, c'est que tu es rentré par où? Elle dit, docteur, j'ai dit, madame, arrête-toi à sortir avant de m'énerver. C'est là que j'ai eu envie d'éteindre. Quand j'ai éteigné net, la dame, elle est sortie par mon nez. Dites-moi, Bakan Yako. Son Altesse Royale, mesdames et messieurs, est-ce qu'on le garde? Dites-moi, Bakan Yako.